Là une fois de plus pour vous accompagner, mesdames et messieurs, dans ces décryptages, les différentes actualités dans la région aujourd'hui. Nous allons une fois de plus vous faire part de ce que nous pensons, mais également c'est focaliser beaucoup plus sur les faits. Vous le savez, nous sommes toujours factuels sur Congo Live. Aujourd'hui, il faut d'abord faire les points sur la situation sécuritaire dans les différentes zones de combat, les différentes ligne de front aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, d'abord, au niveau des Saïké, il faut dire, dans la nuit d'hier mercredi, disons, d'hier jeudi 22 février 2024, à ces vendredi 23 février 2024, l'ennemi a encore une fois largué des bombes, plusieurs bombes, il faut le signaler, dans cette cité des Saïké, parce que l'ennemi, il faut le préciser, se retrouve en difficulté de progresser pour avancer et se retrouver, ou disons, s'emparer de cette cité. Alors, dans cette difficulté, l'ennemi veut aussi créer, une fois de plus, cette psychose dans la population. Voilà pourquoi il a, une fois de plus, largué des bombes à Saïké. Et c'est pour créer la panique, au-delà de la panique, créer encore une fois les déplacements et mouvements de la population dans la cité, qu'on puisse croire qu'il est en train d'avancer dans la cité et prendre les contrôles. Ce qui n'est pas le cas, parce que jusque-là, Saïké reste toujours sous contrôle des FRDC et des Oisalendo. Au-delà de la cité de Saïké, l'ennemi est en train d'être repoussé loin de la cité et peut-être perdre d'autres positions stratégiques qu'il occupait, comme vous le savez, dans les territoires des Masisi. Alors, à Nyiragongo, voilà, parce que l'ennemi est toujours, il faut le dire, à Kibumba, mais les affrontements qui se sont déroulés depuis le début de cette semaine n'ont pas permis aussi à l'ennemi d'avancer. Les Oisalendo, les FRDC et d'autres forces partenaires résistent face à l'ennemi. Alors, au-delà de cette résistance, là, je vais maintenant même m'emprêter dans les dires du chef de l'État lui-même qui a dit « La meilleure attaque, c'est la défense ». C'est vrai, avant de faire une attaque comme il faut, une attaque qui va nous permettre d'enregistrer des résultats positifs, avant d'y arriver, nous devons d'abord mieux assurer notre défense à l'interne et ce qui est en train d'être fait. La meilleure défense, c'est l'attaque. Nous sommes en train d'abord de nous défendre face à l'ennemi, l'ennemi qui nous a attaqué. Alors, il faut à tout prix nous défendre. Au-delà du fait de nous défendre, nous devons aussi voir comment récupérer toutes les zones occupées par l'ennemi. Donc, en récupérant toutes ces zones, ça va nous permettre, ça va permettre plutôt à toutes ces populations aujourd'hui qui se retrouvent dans des camps de déplacés, dans un calvaire qui ne dit pas son nom, de regagner leurs milliers respectifs et pour que les choses aussi puissent redevenir à la normale. Alors avant d'y arriver, d'autres actualités, comme je le disais, au-delà de tout ce que nous observons sur les différentes lignes de front, mettons aussi un point sur ce qui se passe dans les rouages de l'ennemi. Aujourd'hui, le M23, je ne sais pas si vous avez déjà cette information, il y a un changement, en tout cas profond, au sein de ces mouvements, même les directoires, ils ont changé beaucoup de choses. Nous étions en train de vous le dire, l'ennemi se retrouve en difficulté. Dans la mesure où il ne sait plus comment il va avancer, au-delà du fait de ne pas savoir comment il va avancer, l'ennemi est entré aussi aujourd'hui de subir, je ne peux pas dire des défections, mais des divisions à l'interne. Alors pour faire face à toutes ces divisions et pour regagner, disons, retrouver encore une fois cette mainmise au sein de l'opinion, l'ennemi a changé a changé même l'organisation au sein de ces groupes armés qui est toujours appuyé par les Rwanda et l'Ouganda. Alors, selon nos sources, c'est l'Ouganda qui a même dicté, qui a donné même la composition au sein de ces mouvements rebelles M23. Aujourd'hui, l'Ouganda a donné, a exigé ou disons a mis en place aussi les quelques personnalités de ces mouvements dans les au poste clé, parce qu'aujourd'hui il parle maintenant de la coordination. Et si vous, ça ne peut plus nous étonner de voir Corneille Nanga être désigné comme aujourd'hui le coordonnateur de ces mouvements M23. Il est secondé donc comme coordonnateur adjoint par Bertrand Bissimwa.
Voilà, ce sont les délais qui vont donc coordonner toutes les activités dans l'aspect politique de ces mouvements. L'aspect militaire, c'est Sultani Makenga qui est désigné. Vous le savez, Sultani Makenga, lui, après la défaite de cette rébellion en 2013, il s'était réfugié où c'est en Ouganda. Voilà, aujourd'hui, c'est lui qui va, une fois de plus, gérer toutes les opérations des militaires du M23. Alors, ça veut dire encore une fois que l'Ouganda, aujourd'hui, est en train de commander tout ce qui se passe au sein du M23. On ne peut pas aussi mettre de côté les Rwandais parce que les Rwandais restent leur porte d'entrée et tout ce qu'ils sont en train de piller comme ressources minières au niveau des Masisi, Rutshuru, voire même ici à Nyiragongo, passe directement par va au Rwanda et c'est le Rwanda qui devient aussi ce pays qui doit négocier avec d'autres multinationales. Et c'est pour cela même que le chef de l'État lui-même s'est exprimé par rapport à ces protocoles d'accord signés entre le Rwanda et l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne, vous vous lancez dans un trick aujourd'hui. Je suis sûr et certain que vous savez dans quoi est-ce que vous vous êtes lancé. Alors, les objectifs que vous visez, vous-même, vous le savez. Mais en signant ces accords, ces protocoles d'accord avec le Rwanda, déjà, vous cautionnez tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'est du pays. Vous cautionnez tous ces massacres aujourd'hui que les populations sont en train d'être victimes toujours. Vous cautionnez tout ça. Alors, en cautionnant cela, il faut d'abord se rassurer que vous allez, une fois de plus, trouver les peuples congolais sur votre chemin. Au-delà de ce que le gouvernement congolais peut dire dans les cadres diplomatiques, avec quelques, disons, un peu de douceur dans ce qu'ils sont en train de dire, mais le peuple congolais, lui, n'agira pas ainsi. Alors, il est grand temps d'abandonner cette piste-là. Alors, je vais y arriver en analysant, disons, avec beaucoup plus de précision, cet aspect, parce que le chef de l'État, dans son briefing, il est revenu sur plusieurs points. Alors, concernant la guerre, le chef de l'État a une fois de plus rassuré les uns et les autres. Et c'est à nous, peuple congolais, on ne peut pas dire de faire la guerre directement au Rwanda. Le chef de l'État l'a dit. Il y a aujourd'hui plusieurs mécanismes qui entrent en jeu pour se lancer dans une guerre directe contre les Rwandais. Alors, comme nous ne sommes pas encore là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire face à une agression à l'interne. L'ennemi nous attaque à l'interne. Cette guerre ne se déroule pas sur les frontières. Non. Le Rwanda n'est pas chez lui et nous chez nous. Et puis, le Rwanda est en train de nous attaquer. C'est pas ça. Le Rwanda vient en République démocratique du Congo, occupe les territoires Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Bon, pas quasi la quasi-totalité de ces territoires, mais une grande partie de ces trois territoires occupés aujourd'hui par le M23. Le Rwanda, l'Ouganda sous couvert du M23. Voilà, ils sont en train d'occuper ces territoires. Alors ça veut dire, nous devons d'abord nous rassurer que l'ennemi est d'abord dehors, qu'on... Nous, disons, d'arriver d'abord à chasser l'ennemi, les mettre dehors, et puis se rassurer maintenant d'une forte défense au niveau de nos frontières. Mais tant que l'ennemi est à l'interne, ça sera toujours difficile d'aller faire encore une fois la guerre au Rwanda, que ce soit même l'Ouganda, tant qu'on n'a pas encore assaini les milliers au niveau interne, et que l'ennemi puisse, qu'on chasse l'ennemi, qu'il se retrouve dehors. Et puis, on va voir d'autres éventualités qui vont s'imposer. Je vous assure, elles doivent s'imposer. Parce que la lire, ou disons, dans cette dynamique pour la République démocratique du Congo, on ne va plus reculer. Nous sommes en train de monter toujours. Parce que quand le M23, les Rwanda et l'Ouganda ne seront plus en République démocratique du Congo, par là, automatiquement, ce que nous allons faire, nous allons maintenant nous rassurer d'une politique de défense et que ces pays-là ne puissent plus s'hasarder où ils ont fait toutes ces aventures qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je vous assure, on va y arriver. Alors, pour y arriver, il est grand temps d'abord de nous rassurer qu'à l'interne, nous avons une force qui s'impose. Voilà. Alors, le chef de l'État, lui, qui s'est prononcé aussi dans cet aspect de la guerre, c'est ce qui va donc beaucoup plus nous intéresser. Il est revenu aussi sur l'aspect des coopérations avec d'autres organisations. C'est vrai, jusque-là, nous voulons voir cette sincérité dans toutes ces organisations. Même la SADC, parce que la SADC, elle, fait mieux que l'EAC, c'est bon déjà, parce que nous avons vu même les Sud-Africains, les troupes sud-africaines, être prêtes à donner leur vie pour que la paix revienne. En tout cas, tous nos hommages rendus à ces
ces militaires sud-africains qui sont venus en mission de la SADC pour aider les FRDC et d'autres forces à pacifier l'est du pays. Alors cela prouve déjà qu'il y a une collaboration, une parfaite collaboration avec les Sud-Africains. Mais on ne peut pas tout simplement dire que nous nous réjouissons de ce qui s'est fait aujourd'hui parce que nous voulons voir les retours de la paix. Donc, les résultats qui vont bien sûr découler de cette coopération militaire avec les pays membres de la SADC, ce sont ces résultats-là qui vont nous pousser demain ou après-demain à dire en tout cas, nous sommes conscients de cette collaboration avec les pays de la SADC. Comme nous ne sommes pas encore là, il y a d'autres aspects aujourd'hui qui doivent nous caractériser. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici aussi pour nous l'occasion d'interpeller une fois de plus la communauté nationale, internationale, et là, c'est dans l'aspect humanitaire. Ce n'est pas normal aujourd'hui que les gens soient entrés, disons, les conditions dans lesquelles vivent les Congolais dans les camps des déplacés. Et puis voir d'autres Congolais aujourd'hui à Kinshasa, je ne sais pas où, en train de faire des messages de compassion. Et visiblement, quand vous le voyez, la façon dont leur manière, leur style vestimentaire ne prouve même pas qu'ils sont en train de compatir avec ces compatriotes aujourd'hui qui se retrouvent dans les camps des déplacés. Ce n'est pas normal. Alors vous avez toutes ces possibilités, au-delà des déclarations que vous pouvez faire, dire « nous compatissons avec vous, ma chère population, chers compatriotes de l'Est », au-delà de tous ces messages de compassion que vous ne cessez d'adresser, vous pouvez aussi faire un geste significatif en assistant de près ou de loin tous ces compatriotes aujourd'hui qui sont en train de vivre un calvaire. Je vous dis, les camps aujourd'hui sont débordés en ville de Goma. Des déplacés, imaginez les gens qui ont abandonné leur village à Masisi, qui ont abandonné leur cité, par exemple Sake et d'autres cités qui sont aux alentours de Sake, pour se retrouver en ville de Goma. Imaginez les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est encore une occasion pour nous de lancer cet appel à l'humanisme, qu'on puisse encore une fois assister, de près ou de loin, ces compatriotes aujourd'hui qui sont en train de vivre dans des conditions comme nous ne cessons de vous les dire. Alors, il y a aussi un autre aspect, parce que nous avons aussi ces jeunes Oisalendo. Ces jeunes Oisalendo qui sont en train de se battre. Et je vous assure, il ne faut pas dire que c'est seulement le gouvernement congolais qui doit les prendre en charge. Ces jeunes Oisalendo ne se battent pas pour le gouvernement congolais. Ce n'est pas pour le gouvernement congolais, c'est pour la République démocratique du Congo. Et quand on dit pour la République démocratique du Congo, ils sont en train de défendre la patrie. Et c'est pour que vous et nous, nous puissions nous retrouver encore une fois dans une paix totale. Alors c'est pour cela qu'ils sont en train de se battre aujourd'hui, ces jeunes Oisalendo. Alors nous devons aussi leur apporter un appui significatif dans tout ce qu'ils sont en train de connaître aujourd'hui. Je ne peux pas dire difficulté parce que ça nécessite aussi une motivation, de l'énergie, tout ça. Chers Congolais, il faut aussi soutenir ces jeunes patriotes. C'est vrai, nous sommes de guerre avec eux, mais ça ne suffit pas. Logistiquement, on peut aussi les assister pour qu'ils puissent faire un travail des titans et qu'on puisse, une fois de plus, récupérer toutes ces parties aujourd'hui qui sont occupées par ces ennemis, ces envahisseurs, ces gens-là qui nous veulent toujours du mal, qui veulent nous voir toujours à genoux. Quand la République démocratique du Congo veut amorcer des projets de développement pour que les pays aussi puissent avancer, c'est par là que vous voyez des pays, je ne sais pas, quelle organisation internationale venir appuyer voilà quelques individus qui fassent du mal au pays. Alors, il faut donc qu'on puisse finir une fois pour toutes avec tous ces gens-là. Et je crois qu'il est grand temps de les faire. Il est grand temps de les faire non seulement dans l'aspect mobilisation, mais il est grand temps aussi de les faire sur les lignes de front avec l'option militaire comme les FRDC sont en train de les faire, comme les jeunes patriotes Oisalendo sont en train de les faire. Et les chefs de l'État précisent, comme vous l'avez suivi, je crois, dans son briefing d'hier, lui-même vous dit déjà, quand on parle des dialogues, je ne sais pas quoi, la négociation, il faut d'abord écarter cette option. Il ne parle pas de la négociation. Dialogue ou échanger avec des pays, qu'on puisse savoir qu'est-ce que le Rwanda nous veut au juste.
C'est le Rwanda qui nous doit des explications et non le contraire. Nous n'avons aucune explication à donner au Rwanda. C'est le Rwanda qui vient toujours nous envahir, qui envoie ses troupes ici en République démocratique du Congo sans autorisation d'une organisation. Comme il veut, il se réveille, il envoie des troupes. C'est à ces pays-là de nous donner des explications et ça va se faire avec un franc-parler. Et le chef de l'État est prêt pour ça. Mais le Rwanda ne viendra pas avec un cahier des charges pour dire nous voulons ça en République démocratique du Congo, nous vous demandons ça pour que nous puissions retirer nos troupes. Ce n'est pas ça. Nous, bien au contraire, nous voulons que le Rwanda nous dise clairement qu'est-ce qu'il vient faire en République démocratique du Congo. Et c'est sur base de ça qu'on va maintenant traiter ces pays rwandais, ces pays de Paul Kagame, à sa juste valeur. Et ça va arriver, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Alors, au-delà de tout ça, nous sommes aussi en train de dire la situation, il y a une accalmie déjà aujourd'hui. Parce que le fait pour l'ennemi de ne pas avancer, ça prouve déjà que les FARDC sont déterminés et sont aux aguets et ne vont plus laisser à l'ennemi de prendre les devants. Ça, c'est sûr. C'est vrai, nous sommes aussi en train de voir la mobilisation de l'ennemi. Il va venir avec une force, mais ça ne sera pas à la hauteur de celle qu'a la RDC avec les FARDC, les Wazalendo et d'autres forces qui sont aujourd'hui en train de nous appuyer. Alors, mesdames et messieurs, on va donc se dire au revoir tout en vous demandant une fois de plus les numéros par lesquels vous pouvez nous écrire. C'est le 09 98 70 43 14. Le 09 98 70 43 14. Génie, toi, LGT à votre compagnie. Commentez toutes nos productions. Nous sommes en train de bien lire vos commentaires, surtout quand il y a des remarques. Nous les prenons en considération, mesdames et messieurs. Et ça va nous permettre de venir encore une fois auprès de vous pour améliorer nos décryptages, tout ça, tout ce que nous avons comme production sur Congo Live en télévision. Alors, au-delà de tout ça, il faut aussi vous dire que de partout où vous vous trouvez, c'est vrai, nous recevons des messages des gens de la diaspora. Organisez-vous en groupe. Nous sommes des Congolais. Organisez-vous et suivez tout ce que nous sommes en train de produire. Il y a même des gens qui pouvaient créer même des clubs Congo Live, je ne sais pas, Paris, Congo Live, Washington. Faites toutes ces organisations. C'est aussi une façon de nous motiver moralement pour que nous puissions aussi vous servir. Parce que quand nous recevons, quand il y a ces feedbacks, ça nous pousse aussi à dire oui, les Congolais sont en train d'apprécier le travail que nous sommes en train de faire. Abordant toujours la situation sécuritaire ici dans l'Est, le chef de l'État dans son briefing, vous-même vous avez compris quand il évoquait comment ça se passe, comment ça évolue ici sur les différentes lignes de front, sa position aussi, parce que c'est vrai, vous le savez, il y a des propositions ou disons des demandes, certains pays, ces grandes puissances encore une fois qui demandent au chef de l'État de passer au dialogue. Alors, mesdames et messieurs, moi je pense que cette fois-ci, vos propositions, vos messages au chef de l'État, il a répondu à ça et il s'est présenté en ayant aussi la même position que ces Congolais ont toujours manifesté. Ne pas négocier avec les M23. J'ai dit bien, ne pas négocier avec les M23. Si on peut dialoguer, c'est bien sûr, pays contre un autre pays, c'est le Rwanda. On discute que le Rwanda nous dise ce qu'il veut. C'est qu'il est en train de... Pourquoi il vient toujours en République démocratique du Congo? Voilà les explications que nous attendons du Rwanda. Et quand le chef de l'État le dit tout haut, c'est quelque chose qu'il faut tout de même saluer. Parce que moi, je suis en train de voir cette position, cette posture, elle est en train de fournir aussi assez d'efforts sur les différentes lignes de front, dans l'option militaire. En même temps, le chef de l'État vous dit, oui, on peut toujours, parce que l'option diplomatique n'est pas aussi à écarter. On peut toujours se retrouver dans le cadre régional, dans le cadre des différents mécanismes déjà amorcés pour discuter et qu'on puisse une fois de plus résoudre cette situation. Et là, la République démocratique du Congo ne sera pas là encore en train de céder des terres, je ne sais pas, céder des postes plutôt jetés dans la gouvernance du pays aux gens qui sont en train de nous agresser. Ça ne passera pas parce que le M23 est toujours considéré comme ces marchepieds du Rwanda, ces marchepieds de l'Ouganda. Et vous le savez, les Ougandais et le Rwanda derrière eux, nous avons les multinationales et plusieurs pays qui sont en train de les appuyer. Alors comme ça ne passera pas, mesdames et messieurs, c'est à nous de rester toujours déterminés, de rester toujours vigilants parce que ces pays, on n'a pas
droit à l'erreur. On ne doit pas perdre ces pays. C'est un pays qu'on a aussi... donc tout ce qu'on a fait pour ces pays pour qu'ils puissent se retrouver là où il est aujourd'hui et tout ce que nous avons encore une fois à faire pour ces pays, mesdames et messieurs, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va accepter de les perdre. On va donc se retrouver une fois de plus demain. Demain, on va venir en vous donnant la situation qui évolue sur terrain. Parce que je vous disais, il y a les différentes lignes de front au niveau de Nyiragongo, mais également ici aux alentours de Sake, voilà. Mais avec le fait pour l'ennemi de larguer des bombes, c'est un geste supplémentaire qui prouve que l'ennemi n'a pas cet esprit d'humanisme. Alors, vous n'avez pas cet esprit. Vous êtes en train de massacrer les peuples que vous voulez aussi gouverner. Comment ça va se passer? Parce que quand vous occupez des espaces et qu'il n'y a pas la population, là, vous n'aurez pas... On peut dire que vous n'êtes pas en train de gérer. Mais votre force, c'est parce que quand la population est là, quand la population se retrouve dans les zones que vous voulez occuper. Mais cette population, vous-même, vous êtes en train de massacrer cette population. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les M23, les Rwanda, je ne sais pas quel autre pays, parce que déjà là, vous n'avez plus ce sens-là d'humanisme. Ce sens-là d'humanisme a disparu dans vous. Et je ne crois pas qu'il y ait un Congolais aujourd'hui qui peut vous faire confiance, un Congolais aujourd'hui qui peut dire « Oui, je crois ». À ce que les M23, à ce que les Rwandais, c'est les Ougandais sont en train de faire. Non, parce que vous êtes en train de massacrer ces peuples. Vous avez fait des massacres comme on cesse de nous rappeler, à Rutshuru, Kishishe. On continue toujours de nous rappeler de nos compatriotes qui ont perdu leur vie à Kishishe. Parce qu'ils n'ont pas obtempéré, ils n'ont pas cédé à vos dictats. Et vous les avez massacrés. Alors aujourd'hui, ça ne peut plus passer ici en République démocratique du Congo de croire encore une fois à vos aventures parce que les peuples auront du mal même à adhérer dans votre politique. Voilà. Alors, c'est le dernier mot pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain, ça sera le week-end déjà et le plaisir sera pour nous renouveler.